Belin présente. Pepito mi corazón, pepiti, pepita. Pepito mi corazón, pepiti, pepito. Bon, après, je sais plus la suite, hein. Retourner la disquette. Jouer avec la musique, bien sûr. Le jeu est extrêmement court, mais extrêmement dur. Chaque petit écran, c'est une petite épreuve à passer. Mais tu peux te faire éjecter et repasser dans l'écran d'avant. Et tu te retapes le temps de chargement, bien entendu. On va faire une petite... C'est où les save state? Émulateur. Save snapshot. Pepito. Voilà. Alors, la première épreuve... Alors, Pepito, il peut sauter. Il peut se déplacer de gauche à droite. Il peut s'abaisser. Et selon les niveaux, soit il lance son sombrero, soit il lance des pepitos. Sauf que les pepitos sont nos points de vie aussi. Un peu chelou. Voilà. Donc en fait, la premier écran. Voilà. On met le caillou et on passe par-dessus le cactus. En ligne droite, le jeu dure 8 minutes. Là, on a l'impression que le jeu est en accéléré, mais pas du tout. Alors, soit on saute par-dessus le précipice sans se louper, soit on lance un pépito sur le condor. Voilà, j'ai lancé un pépito sur le condor. Du coup, il y a un pont avec des pépitos. Donc, je passe. Faut faire très attention parce qu'à l'écran d'après, je vais me faire agresser tout de suite. Alors, bien sûr, sur Amstrad CPC... Si on met pas la musique, on a les bruitages. On n'a pas le choix. Il y a des jeux qui ont les deux, mais c'est assez rare. Voilà, fallait sauter au-dessus du serpent, tout simplement. Voilà, on a passé le troisième écran. C'est les scorpions, quatrième. Ouais, c'est ça. Là, il y a les scorpions. Alors, j'ai jamais trop compris cet écran qui est très bizarre. Bah oui, Jojo. Hein, tu lances un pépito sur... Alors déjà, quelle est la logique ? Que les pépitos soient une arme. Tu te rends compte, tu peux tuer quelqu'un à coup de pépito, donc c'est pas bon, les pépitos, c'est toxique, c'est du poison. Voilà. C'est comme dans le jeu Nesquik, on lançait des céréales Nesquik, ça tuait les ennemis, j'ai jamais compris. Alors là, j'ai jamais compris cet écran, parce qu'en fait, si on saute comme ça... Enfin, notre perso, il fait des sauts lunaires, donc... Voilà. Alors là, je vais peut-être me faire agresser encore au niveau d'après, je sais plus. Ah non. Là, je vais faire une petite save state parce que... Non, je vais la faire à la... Une fois que j'ai passé le condor. Là, il faut lancer le sombrero et s'abaisser. Voilà. Comme ça, le condor passe. Par contre, au niveau le niveau d'après, c'est compliqué. Donc, petite save state. Parce qu'à chaque fois, je me fais taper et je me fais renvoyer en arrière. En plus, là, j'ai utilisé une disquette où il n'y a pas le crack, il n'y a pas les vies limitées. Donc... Bon, allez, on passe. C'est un peu plus compliqué, là. Voilà. Il faut éviter les... Comment ça s'appelle, déjà? C'est... Des virevoltants, ça s'appelle, je crois. Les boules de foin, là. Vous avez vu? Si je touche un truc, je suis réjecté au niveau d'avant. Et je perds des points de vie, bien entendu. J'ai une anecdote à vous raconter sur Pepito. J'aurais dû fermer ma gueule. Ça m'a déconcentré. J'ai une anecdote. J'ai une amie. Et un jour, elle me dit qu'elle a une correspondante. C'était sur MSN à l'époque. Elle a une correspondante mexicaine. Et moi, tout innocemment, je lui dis « Eh, est-ce que tu crois qu'au Mexique, ils ont des Pepito ?» Elle fait « Attends, je vais aller lui demander !» Donc elle va lui demander, et la nana l'a pas très bien pris.
Voilà. Enfin, je crois qu'elle a dû, taper sur Google Pépito Biscuit. Et elle a vu le stéréotype mexicain, elle a pas du tout aimé. Mais c'était une question innocente. Bon. J'ai rechargé ma sauvegarde parce que sinon je me retapais tout depuis le début là. Parce qu'il y a deux écrans à gérer d'affilée. Et remarquez que si je tombe dans un précipice, je suis éjecté quand même. Comme si je me suis fait taper en fait. Pépiti, pépito, pépito mi corazón. C'est une chanson traditionnelle sud-américaine ou mexicaine, je sais plus. Qui a rien à voir avec le biscuit, hein. Et dont ils avaient certainement pas les droits. Hein. Enfin, elle est peut-être dans le domaine public, la chanson, ceci dit. Je veux réussir au moins à passer l'écran des virevoltants. Enfin, et celui d'après, quoi. Voilà, je suis passé. Je suis passé. Mais sauf que là, maintenant... Faut que j'appuie sur la touche gauche direct pour tomber. Sinon, je meurs. Et ensuite, faut que je remonte. Voilà. Corazon, pépiti, allez, on fait une sauvegarde parce que... Voilà. Bah oui. C'est vrai en plus de ce que tu dis, Jojo. Donc, bah je sais pas pourquoi, elle l'a mal pris, la meuf. Oui, t'as raison, Même ils ont eu deux coupes du monde assez rapprochées. Et l'autre, c'était un piment avec un sombrero, je crois. Il y en a, c'était un ballon avec un sombrero, et l'autre, c'était un piment avec un sombrero, il me semble. Donc là, j'ai passé deux écrans de jungle, et je vais affronter les méchants, si je dis pas de conneries. Ah non, il y a encore quelques niveaux un peu... Ça fait très Atari 2600. Ça fait très Pitfall, vous voyez. Voilà. Là, il y a des méchants... Il faut leur jeter des pépitos. On a des pépitos illimités. Faut leur jeter des pépitos et ils reculent. Voilà. Et il faut aller délivrer le mec. Alors là, on pourrait croire qu'on a fini le jeu, mais en fait, non. On a fait que la moitié du jeu. Et le mec, il dit merci, pépito. Est-ce que le cheval, il vous rappelle pas... Un cheval célèbre. On va faire une petite sauvegarde, voilà. C'est possible que je finisse le jeu, mais je vais pas trop m'acharner, hein. J'ai oublié de lancer mon timer en plus, mais bon. On va aller jusqu'à ce que je perde une vie, peut-être. Parce qu'après, ça devient compliqué. Le cheval est carrément plagié sur... Jolly Jumper. Voilà, oui. Ça y est. Tu l'as dit en même temps. Alors là, il y a des virevoltants. Ok. Quand je meurs, j'arrête et je passe au dernier jeu. Ils ont carrément... Ah putain, oui, c'est... Bon, bah là, j'y... Ah putain, oui. Faut passer avec le bon timing, en fait. Pépito, mi corazón, pépiti, pépito. Le fait que ça te renvoie à l'écran précédent, c'est horrible. Bon, ça te renvoie à la fin de l'écran précédent. Mais non! Le timing se décale, en fait. Là, c'est facile, par exemple. Mais là, ça devient... plus compliqué. T'es dur. Bon, après, quand t'as fini le jeu 50 fois, tu le torches d'une traite, j'imagine. Oui. J'aurais au moins passé cet écran. Par contre, j'ai plus de points de vie, je crois.
Là, c'était chaud. Et si chemin continue, ça fait quoi? Ah, on recommence, il y a un checkpoint quand même. Dis-moi qu'on va pas se retaper les trois écrans. Avec le cheval qui passe. Non. Il a l'air bugué cet écran. Les obstacles, ils ont aucune synchronisation. Tu sais pas si tu veux passer ou pas. Allez, je tente une dernière fois. Et ensuite, on passe au dernier jeu. Et vous aurez pour mission... Petit jeu dans le chat de deviner en premier... Quelle marque sponsorise ce jeu? Parce que c'est vraiment pas évident. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer son sombrero, peut-être? Oh putain. Oh putain, c'était ça. Fallait lancer son sombrero, puis avancer. Je fais n'importe quoi, mais ça passe. Ça passe et je suis mort à l'écran d'après. Alors que j'ai rien fait. Bon. Voilà, c'était Pépito sur Amstrad CPC. C'était un petit interlude, parce que je fais très rarement, voire jamais, des jeux d'ordinosaures. Mais c'était rigolo.